Bonjour. Bonjour. Alors, je vais prendre votre prénom. Alors, c'est Manuela. Oui. Alors, votre département ? C'est dans les Yvelines. Les Yvelines, d'accord. Alors, votre question ? C'est l'art sentimental. Est-ce que je vais trouver quelqu'un de bien ? D'accord. On va regarder. Vous allez me donner deux chiffres entre 1 et 22. Vous allez bien vous concentrer par rapport à votre question. D'accord. Alors, ce sera le 5. Le 5, oui. Le 15. Alors, le 5 et le 15. On va regarder. Alors, 5. Oula, mais vous sortez d'une déception amoureuse, là, il n'y a pas longtemps. Oui. Vous êtes toujours un petit peu peinée par rapport à cet homme. On a l'impression que vous êtes toujours dans l'attente vis-à-vis de lui. Non, parce que pour moi, c'est vraiment fini dans ma tête. Oui, il faut, hein, parce qu'il est brun, lui. Oui. D'accord, c'est bien ce que je ressens. Je vois un homme brun autour de vous. Mais par contre, je dirais que c'est quelqu'un de pas très bon. Il faut l'oublier, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui vous a trompé. Il y a eu des trahisons. Peut-être. Oui, hein? Il y a eu beaucoup de trahisons par rapport à lui. Et là, je ressors vraiment quelqu'un de néfaste autour de vous. Hein? Par contre, là, quand je regarde mon tirage de cartes, je vois quelqu'un qui va arriver pour vous. Je dirais compter d'ici à peu près 3 mois, il y a une nouvelle rencontre. Je vois quelque chose de bien. Je vois un homme qui sera un petit peu plus jeune que vous. Je dirais à peu près un an de plus jeune que vous. Mais lui, par contre, ce sera vraiment une belle histoire. C'est vrai? Ah oui. Jusqu'à ce moment, je n'ai pas de chance. Je tombe sur des gens qui ne sont pas bien du tout. Oui. Je ne comprends pas pourquoi. Bah là, c'est parce que c'est des gens qui sont un peu néfastes autour de toi. Hein. Mais là, cet homme, c'est quelqu'un vraiment qui sera bien. Mais par contre, il ne faut pas trop montrer tes sentiments dès le début. Parce que j'ai l'impression que tu montres trop tes sentiments. Et c'est pour ça. Oui, j'essaie de faire de mon mieux. Ah, voilà. Et t'es trop gentille aussi. Hein. Faut... Oui, c'est ça, en fait. Ouais. Mais voilà, parce que là, c'est ce que je ressens aussi, que d'un côté, tu donnes trop dès que tu rencontres quelqu'un. Oui. Il ne faut pas. Hein? Ils ne me donnent pas de la valeur, en fait, par rapport à ce que je leur donne, en fait. Oui, ben oui. Mais non, mais là, là, je peux te rassurer que d'ici à peu près 3 mois, il y a vraiment quelqu'un de bien. Ou il y a construction, vie commune, qui se fera après, par la suite. Je vois aussi, par rapport aux cartes, vous avez envie d'avoir un enfant? Ah, pas vraiment, j'en ai déjà deux. Ils sont déjà grands, donc... Ouais, je ne sais pas, écoutez, après on ne sait pas où. Parce que là, je ressors un enfant, je vois une petite fille. Ah, j'ai jeune fille, un garçon. Donc. Vous avez garçon-fille. Eh bien, il y aura. Fille, un... ouais, oui, bah, moi, je vois, il y en aura un troisième. Je vois aussi une petite fille, là, qui va arriver. Oui, avec cet homme. Parce que cet homme que vous allez rencontrer, c'est un homme qui n'a pas d'enfant. Hein. Ah, d'accord. Ah oui, et lui, il voudra un enfant. Hein. Alors c'est pour ça que je vois qu'il y a une construction et qu'il y aura aussi un enfant. Et là, on voit vraiment qu'il y a la vie commune qui va se faire d'ici à peu près, enfin peut-être pas la vie commune tout de suite, mais dans 3 mois la rencontre, la vie commune, il faut compter à peu près d'ici un an. Hein. D'accord, mais par contre, pour avoir un enfant, je suis bon, déjà 41 ans, enfin plus juste, je pense, non? Oh, 41 ans, ça va encore pour avoir un enfant. Ah, oui. Cet enfant, ça ne va pas traîner, hein, parce que dès que tu vas rencontrer cet homme, l'enfant, ça sera rapide, hein, moi je dirais dans un an. Oui, hein. Oui. En plus, surtout si tu as deux enfants, là, ça t'en fera 3. Mais ça sera le dernier, après il n'y en a plus, après c'est terminé. Ah oui, oui. Après, bon, déjà celui-là, enfin pour moi, c'est j'avais que deux, quoi, je veux dire. Oui. C'est pas dans mes projets. D'accord. Non, mais là, franchement. Après, là, la vie fait que, voilà, quoi. Ben voilà, hein. Mais là, on voit vraiment que c'est un homme bien que tu vas rencontrer. Et par contre, cette rencontre, je la ressentirai par rapport à. Est-ce que tu as une copine qui est souvent avec toi, une copine qui est brune, qui est très proche de toi? Je n'ai une qui m'appelle tout le temps, mais parce que non, j'ai des copines, oui. Oui, parce que j'ai l'impression que cette rencontre se fera naturellement par rapport avec une de tes copines qui va t'inviter à une petite soirée et il y aura cet homme qui sera là et ça se fera comme ça. D'accord. Parce que t'es pas personne qui sort beaucoup, toi, de ton côté. Voilà, c'est ce que je vois là. Je vois que t'es quelqu'un de très réservé, quelqu'un. Ouais, j'aime pas trop me montrer, tout ça. Je suis
suis discrète en fait. Voilà, et d'accord. Surtout n'hésite pas à me rappeler. Tu demandes à parler d'accord. à Viviane, 23 87. Mmh, au revoir.